Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un petit peu de spoil. Comme d'habitude, pensez à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et à la chaîne de grandir tout doucement. Comme d'habitude aussi, hein, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier, c'est en description, dans le chapitrage. Hein, voilà, comme d'hab, ça ne change absolument pas. Et on va commencer. Maintenant, on commence avec Koyoharu Gotoge, histoire courte. Alors pour ceux qui n'ont pas reconnu le nom ni le design du personnage sur la couverture, Koyoharu Gotoge, c'est la mangaka de Demon Slayer. Et donc Panini a décidé de sortir les histoires courtes de sa mangaka, on va dire son fer de lance. Hein, Demon Slayer, c'est vraiment le fer de lance de Panini. Donc c'est un recueil qui est sorti il y a au moins 2 ans au Japon. Et dedans, il y a quatre histoires, dont l'une d'elles, c'est le prototype de Demon Slayer, que je trouve, on va dire, le plus intéressant dans le sens comprendre Demon Slayer. Après, c'est intéressant, les quatre histoires sont intéressantes dans le sens où on voit l'évolution de la carrière de l'auteur, féminin. Et donc, j'ai vraiment plus aimé l'histoire de Demon Slayer, même si visuellement, c'est quand même celui qui pique le plus les yeux parce que tu sens vraiment que c'était encore une jeune mangaka et qu'elle n'avait pas encore toutes les armes et qu'on voit quand même sa progression sur les trois histoires suivantes. Mais la première histoire, on voit, il y a vraiment déjà toutes les idées qu'elle avait dans Demon Slayer, à savoir, il y a Muzan, alors qu'il ressemble pas du tout à Muzan, mais on a aussi, comment s'appelle, Tamayo. Il y a Shimaru, là, ce petit assistant de Tamayo, qui sont là en tant que démons, qui sont potes. Alors c'est un peu marrant quand on connaît Demon Slayer vu qu'ils sont plus vraiment potes. Alors, ça serait bon que ça soit sur la genèse, la rivalité entre Tamayo et Muzan, même si c'est pas du tout comme ça. En plus, ça va avoir un côté, les démons, il n'y en a pas que au Japon, ce qui n'est pas dans Demon Slayer, ce qui est un peu dommage, ce qui aurait fait que l'auteur aurait pu faire un manga de 150 tomes s'il aurait voulu, parce que le manga était ultra populaire. Et non, finalement, elle a fait son histoire en 23 tomes, point barre, ce qui est vraiment bien. Et on a même les Demon Slayer qui sont là, donc les pourfendeurs, etc. L'entraînement, il y a même tous les personnages qui sont là, c'est vraiment super intéressant. Alors, il y a Si j'ai pas le connerie, je crois qu'il n'y a pas encore le délire de souffle, ou pas aussi présent. En même temps, le personnage de chasseur est très peu présent dans cette œuvre-là. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est pour les curieux qui veulent découvrir un petit peu l'avant Demon Slayer dans la carrière de l'auteur. Alors en plus, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un petit côté doré brillant sur le titre, les contours Koyoharu Gotoke. Et pareil sur le dos, il y a du petit doré, c'est vraiment super joli, super propre. Donc voilà, c'est vraiment un indispensable. Pour les fans de Demon Slayer, ceux qui connaissent pas, passez votre chemin. On continue avec Demon Slayer et Demon Slayer spin-off. Donc, comme son nom l'indique, est un spin-off de Demon Slayer. Ouais, je me répète beaucoup. Donc, on est sur deux. Alors, c'est un tome en 4 chapitres de 104, une 50, je veux dire 150 pages. 50 pages environ. Qui est découpé en deux histoires. Une sur Tomioka Gyu, qui se passe juste après sa rencontre, ou alors quelques temps après sa rencontre avec Tenjiro, donc au début du manga, parce qu'il y a une petite case où on dit, ah mais il n'y avait pas un mec comme toi qui est parti voir le fils du charbonnier là, la montagne d'à côté, et ils sont tous morts. Donc tu vois un petit peu à partir de quand ça se passe. Et pour Rengoku, ça se passe pour moi entre l'histoire de Tomioka Gyu et on va dire la première réunion. Enfin, la fin de l'arc de l'araignée, donc qui est quasiment la fin de la saison 1 de l'animé de Demon Slayer, parce que Rengoku n'est pas encore un pilier dans cette histoire-là. Et pareil pour le souffle de l'amour, donc celui qui a les cheveux roses, et il n'y a pas encore tous les piliers parce qu'il en manque encore quelques-uns. Il n'y a pas le pilier de la brume et le pilier du serpent. Et donc en fait, dans son histoire-là, on découvre que il n'y a que 5 piliers à ce moment-là. Il y a Giyu, il y a le pilier du vent, dont j'ai oublié le nom, le pilier de la roche, le pilier du son et le pilier des insectes, qui vient juste d'être nommé parce que d'après ce que dit l'auteur entre deux chapitres, c'est que Giyu dit un truc à Kosho, si je ne dis pas si je bêtise sur son nom, prénom, en disant que parce qu'il dit ça parce qu'elle vient juste d'être nommée. Ce qui est vraiment sympathique. Donc les deux histoires sont vraiment bien. J'ai beaucoup plus aimé celui de Rengoku parce qu'en fait, il y a un délire sur les armes à feu qui n'est pas ultra présent dans Demon Slayer, qui est un petit peu présent sur un personnage, mais c'est tout. Et ça parle un petit peu de la guerre. Et donc, pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas lu le manga Golden Kamuy, il y a au début du XXe siècle, il y a une guerre entre les Russes et les Japonais. Et donc, ce personnage-là, c'est un petit peu voilà, une métaphore de ça, un ersatz de ça, et voilà, un survivant de cette guerre. C'est super intéressant et je me dis, merde,
J'aurais tellement aimé avoir un arc là-dessus dans Demon Slayer. Pareil pour Tomio Kagyu, ils sont pas au Hokkaido mais pas loin, et donc ils découvrent des tribus un petit peu. Bah, je crois que c'est le nord du Japon, elle est vraiment pas loin d'Hokkaido, dans cette région-là. Et je me dis, merde, un arc Demon Slayer à Hokkaido, dans les régions, avec un démon Ainu, ça aurait été génial! Mais bon, voilà, c'est un peu dommage que le Demon Slayer soit si court, parce qu'il y a plein d'idées qu'on connaît un petit peu la culture japonaise, il y avait des bonnes idées qui auraient pu être intégrées, mais l'auteur a fait son choix, maintenant, je le respecte, mais j'espère qu'on aura d'autres spin-offs sur d'autres profondeurs, d'autres piliers, parce que juste un tome, un pilier, moi je suis content, hein. J'aimerais bien avoir un tome entier sur le pilier du serpent, sur le pilier de l'amour, leur première mission, etc., ça serait super intéressant, donc j'espère qu'on aura ça. On parle maintenant de Kamuya Rai, de tome 5. Alors j'avais cru comprendre que la série était bouclée en 5 tomes et finalement c'est toujours pas terminé au Japon. Il y a un 6e tome et même un 7e qui arrive, donc je suis très content de pouvoir continuer à lire du Masato Issa, même si son style est quand même très différent de Area 51. Encore une fois, le tome 4 est sorti il y a un petit moment, j'ai plus tout en tête. Alors je me souviens qu'il y a une grosse baston dans le tome 4. Et donc là on est après cette baston-là où tout le monde est un petit peu chaos, surtout le personnage principal qui est en couverture, que j'ai pas reconnu tout de suite, Monko, qui s'est bien pété la jambe, bien fait perforer l'abdomen, enfin les abdos, etc. Donc là on va découvrir un petit peu ses origines et un petit peu qu'est-ce qui s'est passé il y a un an. En fait, on nous raconte un truc qui s'est passé il y a un an et il a perdu la mémoire, donc il y a encore un peu de mystère autour de ce personnage, et j'aimerais bien savoir un peu plus, mais en tout cas, voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur Kamuya Rai, parce que. Encore une fois, le tome est sorti il y a longtemps, donc j'ai plus. Enfin, le tome 4 est sorti il y a longtemps et j'ai plus tout en tête. Et je pense que je vais devoir me relire à nouveau les 5 tomes. Parce que autant le début, les deux premiers tomes, j'ai bien en tête. Autant le tome 3 et 4, c'est un peu plus flou pour moi. Blue Period, tome 6. Alors avant de commencer à en parler, je vais juste faire un petit point sur l'anime qui est sur Netflix. Qui en est déjà l'épisode. Bon, je tourne, on a l'épisode 6 ou 7, si je ne dis pas de bêtises. Et qui va très vite en fait. Parce que, dites-vous, un tome, c'est deux épisodes. Ou deux épisodes, c'est un tome. Ce qui fait que ça va très très vite. Je vais pas dire qu'on est quasiment au tome 6, mais en fait, la fin de l'anime, donc les 12 épisodes, on sera au tome 6. Et ce qui est hyper intéressant, parce que la fin du tome 6, c'est la fin d'un arc. Maintenant, je vais m'expliquer. Donc, dans ce 6e tome, on a toujours Yatora qui participe à l'examen pour rentrer à l'université d'art. Je crois que c'est celle de Tokyo, mais non, ils disent Gedai. Gedai. Donc l'université avec tous ses potes de prépa, lui qui était, on avait terminé le tome avec le héros qui était au plus mal en fait, hein, il était avec ses gros eczémas sur le bras, il était en train de monter les escaliers en mode épreuve de Hunter x Hunter, il était pas bien, et alors ça commence, il voit sa senpai, hein, donc celle qui l'a un petit peu donné envie de faire de l'art, qui est ici, et en fait non, c'est juste son pote qui est un petit chota, parce que c'est un tout petit garçon un petit peu nerveux. J'aime bien, en plus il y a une réplique, je l'ai posté plein de fois sur Twitter quand je l'ai vu. Et à un moment, il y a un passage où il dit: Ouais, dès qu'on a fini l'examen, je rentre chez moi et je joue à Pokémon. Et la semaine où on a le nouveau jeu Pokémon, Diamant et Perle, c'est magnifique. Donc, examen, donc je reviens sur l'examen, il participe à la dernière épreuve qui dure 3 jours. Et donc, c'est un nu. Il y a une femme nue, ils doivent la dessiner, donc le héros y participe. Un gros moment de doute, un petit moment de stress en mode est-ce que j'ai réussi l'examen, est-ce que j'ai pas réussi, est-ce que je vais être rentré à l'université ou pas. Et donc, ça se termine avec le héros qui est reçu. On a quelques petites pages avec le retour de sa senpai, qui voit le tableau et dit ouais, il est super bien son tableau. Dernière page, fin de l'arc. Ma prochaine arc, l'université. Donc, comme je disais, c'est pertinent en fait que l'animé Blue Period se termine au tome 6, parce que ça sera vraiment la fin d'un arc. Maintenant, j'ai plus tout en tête par rapport à l'anime, mais j'ai l'impression comme il va très vite, j'ai pas l'impression qu'il adapte tout. Ou alors il va vraiment à la truelle, au forceps, il met le plus de choses possible, ce qui est un petit peu dommage. Donc, ceux qui regardent l'anime, lisez le manga, il est super bien, même si l'anime a une chose en plus par rapport au manga, c'est que les tableaux sont en couleur. Et ça, c'est magnifique. Mais voilà, Blue Period, c'est vraiment bien. C'est pas ma série préférée de l'année, mais c'est une bonne lecture. Franchement, c'est pas déplaisant. J'aime bien ce côté, voilà, un petit peu shonen, un petit peu à contresens, dans le sens où c'est un petit peu un délire shonen neketsu, mais c'est juste un mec qui fait des tableaux. Je trouve ça génial. J'ai terminé les Brigades Immunitaires, donc c'est le 6e et dernier tome. Et le dernier tome est un peu décevant, dans le sens où. Ça fait pas conclusion, ça fait juste fin de chapitre. Où en fait, limite, on me dirait, tiens, il y a un tome 7 qui sort dans un an ou deux. Je dirais, bah ouais, en fait, ça peut passer parce que
il n'y a pas ce sentiment d'accomplissement, de conclusion, de on est arrivé au bout de nos péripéties, vu qu'en fait c'est juste les cellules du corps humain. Ça aurait été peut-être plus pertinent que ça se finisse avec la mort du corps. C'est un petit peu horrible. Mais voilà, en fait, c'est juste, ils ont vaincu un nouveau virus. Ouais, super, mais on va affronter le prochain. Et puis basta. Donc ça fait vraiment, j'ai ce sentiment de, bah, je dis pas qu'il y avait encore des choses à raconter, parce qu'en fait, si, il y avait plein de choses à raconter. Tout le fonctionnement du corps humain, en seulement 6 tomes, il y a tellement de choses à raconter, et je trouve que le spin-off Black raconte encore plus de choses, parce qu'il montre vraiment, lui, des défaillances du corps, ce qui est encore plus intéressant. Donc, c'est pas une série décevante, c'est une bonne série, j'aime bien l'idée, mais c'est vrai que, vu le concept, ça aurait pu durer très très longtemps, être étiré au maximum, passer quasiment un tome entier sur, je sais pas, on a passé un tome entier sur trois bactéries lactiques, on aurait pu faire pareil sur le cerveau, sur les yeux, sur la bouche, etc. Passer vraiment un tome entier sur le fonctionnement des dents, je pense que les dents, il y a plein de choses à dire, hein. Rien que les différentes dents, les bactéries qui peuvent recirculer la bouche, les papilles gustatives, il y a plein de choses à raconter. C'est un petit peu dommage de passer à côté de cette, entre guillemets, mine d'or. Hein. Voilà, c'est un petit peu une mine d'or. Hein. Raconter le corps humain en mode shonen, en mode Gundam, etc. Où on est dans un corps humain, une usine, etc. Je trouve que l'idée est super bien. C'est dommage que ça soit aussi court. Après, peut-être que l'auteur est fatigué. Parce que voilà, je crois qu'il y a eu un rythme assez un peu pas terrible au Japon. Où pendant un an, il n'y a pas eu de tome. Je pense que l'auteur était très malade. Ce qui fait qu'elle a interrompu son œuvre, je pense. Hein, c'est une supposition. Et c'est dommage. Mais j'espère qu'on aura d'autres spin-offs. Déjà, on a Black. Et j'aimerais vraiment, comme je dis à chaque fois, voir au moins le spin-off Pink. Où cette fois, c'est sur le corps d'une femme. Et donc, toutes les différences qu'il y a entre un corps d'homme et un corps d'une femme. Hein. Donc, bah, les zones érogènes, la poitrine, ce qui arrive tous les mois. Hein, donc, les menstruations, les règles. Ce qui est un peu la même chose, en fait. je crois qu'il savait parler aussi un petit peu d'être enceinte. Comment ça se fonctionne. Super intéressant, j'espère qu'on l'aura. Et voilà. En tout cas, je vous conseille. C'est un bon petit titre, mais voilà. Juste, la fin ne fait pas fin. Ah, et le dernier chapitre, c'est sur le coronavirus. Je trouve ça génial. Yawara, tome 6. Alors, on est sur un tome baston, un tome combat. Déjà, on avait terminé le tome 5 sur, si je dis pas de bêtises, de toute façon, c'est le début du tome, sur. On va élire les candidates pour les Jeux Olympiques de Séoul qui seront en. Je sais plus quelle année, parce que je sais plus quand est-ce qu'est sorti Yawara. Et donc, avec la rivale, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, de Yawara, qui se blesse à la jambe, et je me dis, ah merde, c'est dommage, elle va pas pouvoir participer aux JO. Et finalement, elle y va, mais il va lui arriver d'autres galères. Et donc, il y a un petit transition entre voilà, cette élection pour choisir les candidates et. Les JO de Séoul avec l'arrivée de plein de rivaux pour Yawara notamment. Alors, il y a une Allemande, il y a une Russe et il y a sa copine canadienne qu'on a déjà vue qui est bien Mouse. Donc je suppose que, bah, vu la fin du tome, je sais qui c'est qu'elle va sûrement affronter en finale. Ça me paraît logique, ça sera la Russe. Ça sera le combat Rocky contre Drago, mais ça sera pas Rocky, ça sera une Japonaise à la place de Drago. Drago sera une femme. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, à la fin du tome, elle affronte l'Allemande. J'aime bien sa coupe de cheveux, elle est vraiment cool. Et on a aussi, on commence à voir des petits trucs par rapport au père de Yawara. Je pense que ça va prendre beaucoup plus d'importance par la suite. Et alors, je reviens sur la rivale de Yawara qui va en finale, peut avoir la médaille d'or. Et en fait, elle s'en sort pas si bien que ça. Elle conteste un peu l'arbitrage parce qu'on lui dit non, ce point-là il est pas valable. Et finalement, elle n'est pas médaille d'or au JO de Séoul. C'est un petit peu triste pour elle. Ah, j'avais un petit bol de moi, même si je l'aime pas plus que ça, parce que c'est quand même sa rivale, un petit peu une connasse. Et je lui dis, ah, merde, quand même, elle s'est bien démerdée, elle s'est blessée à la jambe. Peu déçue pour elle, mais c'est mieux, pour mieux repartir. C'est ça, c'est un petit peu Miyata qui a perdu contre le mec qui avait des ailerons de requin à la place des coudes. Donc j'ai mis le nom, celui qui fait des flaker jab, là, qui fait la pose Hitman. Qui a battu Miyata, et il peut dire un jour on se réaffrontera! 100 tomes plus tard, ils sont toujours pas réaffrontés. C'est magique. Ça va être pareil. Ils vont sûrement se réaffronter en finale à la fin de la série, qui sera donc le tome 20 et quelques, vu qu'on est qu'au quart de la série. Mais voyez, ouais, Yawara, c'est vraiment super bien. Et je vous conseille si vous connaissez pas. C'est par Naoki Urasawa, le papa de Monster, 20th Century Boys, Pluto, Billy Bat, Asadora, plus récemment. Voilà. Voyez, ouais, Yawara, c'est bien. On parle maintenant de Kengan Ashura, tome 10. Alors oui, j'avais dit que je parlerais
de Kengan une vidéo sur deux. Mais en fait, j'ai regardé mon planning et je me suis rendu compte que on est vraiment sur les derniers mes lectures de l'année parce que on va bientôt arriver au mois de décembre. Et qui dit mois de décembre sur la chaîne dit calendrier de l'Avent. Ce qui fait que je fais plus de mes lectures, plus de mangas à chaud. J'ai pas le temps. Il y a déjà 24 vidéos qui vont sortir en 24 jours, je peux pas faire autre chose. Et après, il y a le bilan, etc. Donc peut-être que je calerai un mes lectures après le calendrier, où je ferai récap de tout le mois de décembre de mes lectures, mais voilà. Donc Kengan, je risque de pas en reparler tout de suite, donc je préfère en parler maintenant. Donc avec un tome entièrement consacré au combat de j'ai oublié son nom, Sekibayashi Jun face au Sumotori, dont j'ai oublié aussi le nom, qui s'appelle Jiozan Takeru. C'est violent, c'est putain de violent. Les mecs ils se foutent des putain de roost, le Sumotori, il donne des gros kicks, il lui fonce dessus en mode boulet de canon. Putain, j'ai plus la Sekibayashi, German Suplex, il le soulève, il fait des plaquages, il saute en haut de la troisième corde, il fait des sauts. C'est génial. Genre, je me rappelle que ce combat est dans l'animé, mais il était tout nul. Là, quand je l'ai lu, mais il est trop bien. Ce personnage-là, il est génial. Son combat, il est oufissime. Mais en plus, tout le côté. Ouais, si je gagne, parce que nous, au catch, ok, on est des comédiens, ok, on sait qui va gagner, mais nous, on a un sport de combat où la garde, elle n'existe pas. On prend des coups, on encaisse, on est indestructible. Et le mec, il en prend, il en prend, il en prend, et toujours il se relève. Et à moi, on lui dit, voilà, ouais, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je crois en mon sport. Moi, je suis dans la philosophie de mon sport de combat. Toi, t'y crois pas. Tu crois plus au sumo. Tu veux juste te battre, en fait. Et ça. Poum, il l'a niqué comme ça. Je trouve ça génial ce côté. Je t'ai battu physiquement, mais je t'ai aussi battu mentalement. Moi, j'étais plus fort intellectuellement, enfin intellectuellement. Ma volonté était plus forte que toi, ma philosophie de combat était plus forte que toi. Je trouve ça génial. Ce qui montre que Kengan Ashura, c'est pas si con que ça. Et voilà. En tout cas, je vous conseille. C'est trop bien, Kengan Ashura. Là, on va avoir le prochain combat dans le prochain tome. Mais alors, si tous les combats font un tome entier. C'est une dinguerie. Alors, je sais que la série fait 26 tomes. Et je ne pense pas qu'on aura le temps de caser tous les combats en 26 tomes. Donc, je pense qu'ils vont être certainement des fois beaucoup plus courts. Par exemple, lui, je pense que son prochain combat, il va être expédié en quelques instants. Parce que, vu comment il a pris très cher dans ce tome-là, il risque d'être beaucoup plus facile à vaincre dans le prochain combat. Le prochain tour, qui en plus va être le lendemain matin pour lui. Donc, ça, il n'aura pas beaucoup de temps pour récupérer. Ce qui est un petit peu le délire de Kengan, c'est que c'est pour ça qu'il y avait Julius, machin, là, de la Toyo électrique. Dit, je me bats pas, comme ça, moi je suis encore frais. Moi je me suis pas encore battu, moi je pète la forme. C'est hyper malin. Donc voilà, Kengan Ashura, tome 10, je valide, c'est trop bien. Grand Blue, tome 5. Alors j'ai aussi acheté le tome 6, mais j'en parlerai dans le prochain mes lectures qui arrivera quelques jours après celui-ci et quelques jours avant le calendrier de l'Avent. Donc ce tome 5 est marqué par quasiment tout le voyage à Okinawa de toute. De tout le club Pidabou, je sais plus le nom exact, avec Iori qui ne veut pas plonger parce qu'il n'a pas validé tous ses examens, notamment le fait de pouvoir retirer de l'eau dans son masque. Et alors, j'adore tout début du tome où en fait il veut essayer de s'entraîner, mais il veut pas qu'on le voit s'entraîner, donc il essaye de faire ça un petit peu dans un filou et demande à sa cousine, j'ai oublié le nom, excusez-moi, Shiza. Shiza de l'entraîner, et j'aime bien c'est que t'as la peau de peinture qui vient les espionner, dire qu'est-ce qu'ils font, et elle arrive en plein conversation entre nous deux, genre j'aimerais tellement que tu puisses m'aider pour ma première fois, elle fait oh d'accord, je le ferai parce que je sais que t'aimes bien ça, elle fait oh putain ils sont trop chelous, et qu'après il y a son pote Koei qui vient et aussi écouter, et dit ouais faudra que tu me sers un petit peu parce que faudra vraiment que j'ai mal un petit peu pour que je puisse le faire à fond, et il dit oh mon dieu il aime le BDSM, je trouve ça génial, tout ce petit quiproquo autour des premières années du club, je trouvais ça génial. Il y a plein de bonnes histoires. Enfin, vraiment très drôle le passage aussi où ils vont chercher à bouffer et que leurs trois aînés donnent d'autres noms de poissons. Genre, je voudrais une lycéenne juteuse, je voudrais la femme du voisin, je voudrais un vieux monsieur qui sont en fait d'autres noms de poissons. Et que tout le monde pense qu'en fait, ils veulent juste taper un vieillard, la femme d'un autre homme et une jeune lycéenne. Je trouvais ça génial. Il y a le passage où il y a un de leurs copains du lycée qui va choper, qui va pécho une fille, et qui font tout pour que ça casse. J'ai trouvé ça tellement drôle. Voilà, et donc à la fin du tome, on tease le prochain arc qui va être au niveau de l'université pour filles, là où est. Alors, excusez-moi, j'ai oublié son nom aussi. C'est Asusa, si je dis pas de bêtises. Asusa aussi, en parlons-en, il y a un passage où elle demande à Yori, tu voudrais pas qu'on le fasse ensemble?
Et j'ai fait, waouh, j'étais comme Yori, j'ai fait, waouh, attends, tu te fous de sa gueule, c'est pas possible. Et même lui dit, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Il dit, non, non, je suis sérieux. Et gros yeux, grand ouvert, je dis, Asusa. Je sais pas. Je sais pas, ça serait comme un goût d'alcool dans la bouche. Comme, ah oui, et l'alcool, le passage sur la bière, enfin, où ils font leur gros pot d'alcool et que Koai et Yori font tout pour pas en boire et qu'au final, bah, ils picolent. C'est génial. Et bon, on va finir par le petit moment drôle. Ah, je l'ai pas fait pour Kengan Ashura, je vais le faire juste après. Voilà. Je kiffe toujours autant de voir les dessous de couverture avec, je sais pas si vous verrez bien, avec les personnes, avec le reflet de la lumière, je sais pas si vous verrez bien. Ouais, c'est un petit peu dommage parce que vu que c'est brillant, on voit pas très bien. Voilà, avec les personnages qui sont à walper H24, je trouve ça génial. Je vais essayer de trouver un angle où on voit bien. Okay. Le Kengan, il est ici. Alors lui, par contre, il est Peggy 18, hein, comme d'habitude. Hein, avec cette fois, t'as la secrétaire du papy avec sa sœur qui sont en train de faire combat de catch ou de sumo. Voilà, ça fait toujours plaisir pour les yeux. Je sais pas pourquoi il y a ça à chaque fois. C'est n'importe quoi, mais ça me fait tellement rire. J'ai profité d'avoir un petit peu de temps libre pour me lire les trois tomes de Wicca de Olivier Ledroit et de Thomas Day. Olivier Ledroit, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est l'auteur de Requiem, Chevalier Vampire. Et récemment, j'ai parlé de Troisième Œil, donc une de ses séries les plus récentes. Avec Wicca, il explore le monde fantastique des fées, des nains, des ogres, et des trolls, des hommes-loups, etc. Et donc c'est sur un délire, alors je crois que ça reprend un petit peu la pièce de théâtre de Shakespeare, où on parle de Titania, on parle d'Oberon, etc. Tout ce délire elfique, et c'est super bien dessiné, alors, comme d'hab, alors c'est on reconnaît comme sa patte, et des fois tu te dis, ouais bon en fait il a juste mis des ailes, et il a rendu ça moins rouge, et c'est son style avec Requiem, on sent vraiment quand même, ça fait très Requiem, c'est des fois les personnages, à 2-3 détails près, ça fait vraiment l'univers de Requiem très, en plus, chargé, vous pourriez dire ça comme ça, les décors sont immenses, des pages, c'est des doubles pages où des fois, tu sais pas vraiment des fois par où commencer tellement c'est, il y a plein de choses à voir, à regarder, à lire, il y a même des moments où l'auteur se fait des délires où en fait on lit pas une page comme ça, mais en fait tu dois prendre le bouquin comme ça, le déplier et le lire comme ça. Là, c'est dans le tome 3, attendez, je vais sortir le tome 3, parce qu'en plus il y a un autre truc à dire dans le tome 3 qui est génial, alors l'histoire est super cool, alors c'est une histoire de vengeance où ça commence avant la naissance de l'héroïne, son père se fait tuer, sa mère se fait tuer, elle s'entraîne toute seule, on la voit adolescente, et maintenant son passé la rattrape, etc. Ça part dans des gros bails, c'est énorme. Et donc, en fait, tout le début du tome 3, quasiment tout est comme ça. Donc, toutes les pages, tu dois les lire de haut en bas. Ça se lit pas comme ça, en fait, les bulles sont là, les bulles sont ici, donc tu es obligé de lire comme ça, c'est une grosse dinguerie. Et alors. En plein milieu du tome, quasiment à la fin du tome, il y a une grosse bataille, parce que forcément c'est la fin de la série, et l'auteur s'est fait un délire. Donc, double page. Non, pas pour Olivier Ledroit. J'en ai parlé sur Twitter, je crois, normalement. Il a fait une quadruple page. C'est n'importe quoi. Donc là, vous dépliez deux pages, et donc ça vous fait une putain d'illustration sur quatre pages, où t'as une grosse bataille de fous furieux. Ce mec est un fou. Je sais pas comment t'as pu avoir l'idée de dire, oh, je vais faire une page, ça va être quatre pages côte à côte, va falloir la déplier pour la lire. Je suis resté ébahi devant ça tellement c'est impressionnant. Je vais essayer de pas l'abîmer parce que voilà, j'aimerais bien le relire un de ces quatre. Donc voilà, si vous connaissez pas, je vous conseille Wicca, c'est en quatre tomes. Alors moi, je me suis pris un petit coffret collector où ça coûte un petit peu moins cher que d'acheter un tome à l'unité. Et en plus de ça, on avait un petit chiquichi. Alors, je sais pas où je l'ai foutu, je l'ai rangé dans un tome, je sais pas où est-ce qu'il est exactement. Petite illustration en plus, donc voilà, c'est bien, c'est joli. Je crois qu'en plus, les couvertures sont différentes dans ce tome-là. Et en plus, bah, on a un coffret en plus avec les parents de Wicca. Et derrière, on a, je crois que c'est Wicca, non, sa mère et Wicca quand elle était enfant. Voilà, c'est génial. Voilà, en tout cas, j'ai bien aimé. Moi qui avais découvert Requiem, enfin, je connaissais Requiem depuis quelques temps. Je me suis relu en début d'année. Je me suis acheté son œuvre la plus récente. Et là, je découvre Wicca. Je sais pas ce qu'il me reste encore à lire de l'auteur parce qu'il a fait beaucoup de choses, mais voilà, en tout cas, je gratterai un petit peu si je découvre d'autres choses. J'en reparlerai dans mes lectures. Et on finit, comme d'habitude, avec Astérix. Et cette fois, c'est Astérix et la Transitalique, qui est donc le 37e album, soit le troisième de Didier Conrad et de Jean-Yves Ferry. Et pour l'instant, des 4 tomes que j'ai lus de Astérix dans ma relecture, et donc les 4 que j'ai lus de ce duo, c'est sûrement mon préféré.
J'ai bien aimé le Griffon, je pense que c'est mon deuxième. Après, je dirais que ça serait le Papyrus et les Pictes. Et la Transitalique, j'ai trouvé l'album super bien. Le délire, alors qui revient un petit peu sur le fait que les routes sont pas bien gérées par l'État, donc César, hein, tu remplaces César par Macron, le Sénat par l'État, etc. C'est clairement ça, c'est genre les hautes instances ne gèrent pas bien les routes, il y a des nids de poules partout, etc. Et César dit, bah, enfin le sénateur dit, bah vous allez voir, moi je gère les routes, vous allez voir, on va faire une putain de transitalique du nord jusqu'au sud de l'Italie, et vous allez voir que les routes elles sont bien à Rome. Et donc, il y a un concours où, en plus, il y a tous les personnages de tous les coins du monde qu'on rencontrait Astérix. Je crois qu'il y a des Grecs, il y a des Ibères, on voit des Normands, on voit des Goths. Parce que je sais que les Goths, ils ont une orthographe différente, c'est que quand ils parlent, c'est en écriture gothique. Ça, c'est assez drôle. Je crois qu'il y a des Égyptiens, il y a un peuple d'Afrique, enfin, sous l'Égypte. Il n'y a pas les personnages de Griffon. Je crois qu'il y a des Anglais. Il n'y a pas des Pictes. C'est un petit peu dommage. Vu que c'est eux qui ont créé les Pictes dans cet album. Enfin, dans cette série d'albums. Il y a aussi. Alors, c'est un petit peu marrant parce qu'il y a un personnage masqué qu'on voit sur la couverture qui est le grand patron, le grand pilote. C'est un petit peu le Schumacher de leur univers. Qui s'appelle Coronavirus. Et ce qui est marrant, c'est que bah, c'est sorti en 2017. 2 ans avant le coronavirus, ce qui est très drôle et un petit peu prédicateur. Est-ce que Jean-Yves Ferry et Didier Conrad voient le futur? Est-ce qu'ils avaient prévu le Covid-19? Non, voilà. Et donc cet album-là, en fait, Astérix Obélix participe à la cour de chars organisée par César pour montrer que les routes romaines sont bien. Et donc on va visiter quasiment tous les grand lieu, on va dire, l'Italie, c'est un petit peu, voilà, genre tour du monde de la Gaule, Paris, Marseille, Nantes, etc. Alors, on te montre les grandes villes, Bordeaux, voilà, Lille, etc., Strasbourg, on te montre les grandes villes connues, on va dire, du reste du monde. Donc, on visite Naples, on visite Venise, on visite Rome, on visite. Je crois qu'à un moment, il passe devant la ville de Vinci parce qu'on voit la Joconde. Il y a le Vésuve, donc à un moment, c'est Obélix qui bouche le Vésuve, on dit, oh, de toute façon, il n'y aura plus de volcan, maintenant c'est fini. Il passe devant une ville où bah, les gens ils sont construits une ville sur un lac, donc c'est le futur Venise. Je sais plus ce qu'il y a comme outil, mais voilà, on voit un petit peu plein de choses, et c'est super intéressant. Il y a un grand voyage, il y a un défi, il y a vraiment un challenge à relever, etc. C'est super bien, il y a un peu de tension, il y a un petit peu plus à la fin, qui sort de nulle part. Je trouve ça vraiment cool par rapport à qui est Coronavirus. Ça, super cool. Donc ouais, je pense que c'est vraiment mon album préféré pour l'instant, Astérix, sur les 4 que j'ai lus, sur les 5 qu'on fait ce duo, vraiment c'est celui que j'aime le plus. Et juste derrière, je dirais que c'est Et le Griffon. On verra le prochain, donc la fille de Vercingétorix, qui sera dans le prochain Mes Lectures. Et après, on va réattaquer Astérix dans l'ordre, du début jusqu'à la fin. En tout cas, jusqu'à ce que l'un des deux auteurs soit décédé, parce que j'ai pas envie de lire tous les albums de Uderzo. Donc voilà, c'était mes lectures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!